Good morning, viewers of Radio Télé-Solidarité. Today we are really happy to welcome one of the candidates of Asian Youth Contest 2016 for an interview at Radio Télé-Solidarité. Good morning, Fabiola. Good morning. What can you tell us about you? Well, I am 19 years old. I am very smart, and I go to St. Teresa Fabulous Church. I am very active there. And I am part of the youth group. What can you tell us about your pastor, Father Saint-Charles Borneo? Well, Father Borneo is really a nice person. Like, I really love him. He likes to encourage people. He likes to push us, especially young teenagers in the church. He likes to talk to them, tell them to get engaged in the church. Please tell me a little bit about your education. Well, I'm in my first year of college right now. I am studying to become a nurse. What really motivates you to be one of the candidates of the Asian Youth Contest 2016 of Radio Télé Solidarité? The things that are happening today in our society it's like something serious to me. And with me writing down my ideas and how I feel about it, I really like doing that. I really like to write. And I like to be with other youth like me to write down our ideas and what we would do to change the world. Okay, could you give me a summary of your piece? I wrote about what's really happening today in our society, police brutality, our education, how it's different from how we used to learn and how we're learning today. And I wrote about how teenagers, what they're doing, how they represent themselves out. Do you have some advice for the youth who are in bad direction? What I can say is it's better to listen to your parents than to listen to other friends out there. It's better to stay in school because you want to have a bright future. You want your future family to have a good future. So it's better to stay in school to learn than to stay on the street doing bad things, selling drugs, doing these bad things. What is your Creole? It's my home language. It's my language. It's your language. Right. You are born here or in Haiti? I was born in Haiti. What part in Haiti? Port-au-Prince, Cafo. Port-au-Prince, Cafo. But you are going to speak a little Creole. Yes. Why do you think Creole is important for operation? Because it's us, it represents us. It's our language. We should never let go of that. We should be able to teach our children, our future children, our language. I think. Yeah.
Could you share with us your experience at Vision Youth Talk Show at our Lady Miracles last August? When I went there, it was great because I saw many teenagers, many youths like me, that they were expressing their feelings of how the world is today, and I really enjoyed it. I did. Bon, kounya nou va fò tswa lèk yo. Bon, Fabiola, que m'a pas toujours que depuis non depuis Monseigneur Zarek avec le Père Saint-Charles Bonneau, nous voulons qu'il y ait un youth talk show pour Jean-Bio dans la radio Télé Solidarité. Que nous sommes capables de nous voir mon Chanel, que pour jeunes seulement, que la fille. Mais qui sont capables de nous comme conseils et qui sont capables d'involver le Chanel ça et qui contribution ouvre les côtés pour Chanel ça. Qui va le faire pour Jean-Bio? Ceux qui voulaient pour les jeunes partout pour participer, c'est pour comme si vous mettez activité pour eux. Activité, dans la chaîne de la même. C'est-à-dire que vous venez parler, donc nous talk show nous faire. Et en outre là, en Augusta et Augusta à côté là, que c'est les gens de Bagaïsaï. Oui, parce que c'est un peu plus jeune que les jeunes. Mais est-ce que vous allez éviter vous même pour Chanel ça, pour venir, par entrevue et tout le bagage? Oui, des amis, des amis haïtiens et des landes locales aussi. Bon, que réellement, que, regardez-nous que Chanel là, que Père Bonneau avec Monseigneur Zarek, c'est pour nous que le Valmet, ouais. Et Dieu ou de la base Père Bonneau, ou de bien aimé Père Bonneau, pour travailler avec la Fénan Sainte-Thérèse, ouais. Que nous sommes contents vraiment que pour vraiment d'avoir un bon coup. Bon, que selon vous-même, peut-être qu'ils sont passés ou sont bons candidats pour venir jeune année 2016 pour ajouter les stades. Well, moi, selon moi, vous m'avez aidé. La fille, vous m'avez comme si moi, c'est un petit montant pour moi à faire mon vieux bagage, à parler avec vous, pour apprendre. Si vous n'avez pas parlé avec vous, mais que vous pouvez dire nous qui relation il y a avec famille, maman, papa, frère, sœur, qui peut parler de relation là qui vient ça y mais avec qui importance que famille gagne pour famille, même toute famille. Maman toujours là pour moi. Oui, c'est lui qui supporte moi à l'école. Avant de mourir en Haïti. Mais famille, moi, il y a toujours, chaque lèvre, une compétence de l'année, toujours là, chaque lèvre, je dis, moi, il faut bagarre, il n'y a pas là avec moi, c'est aussi ça m'a fait avoir bon, il fait une compétence à faire avoir bon, il n'y a pas là avec moi, il y a poussé pour m'a faire, il n'y a pas là avec moi, il n'y a pas là avec moi. Mais ça qui t'a motivé ou t'as l'étudier dans ce Oui, mais. Oui, pour aider moi. Que normalement jusqu'à présent ça marche très bien dans le collège là ou bien? Oui, première année. Première année ou dans le collège là. Oui. Bon. Peut-être qu'ils sont passés qu'ils ont jeune qui ont intérêt pour une bonne éducation. Il n'y a pas de temps pour nous-mêmes, spécialement nous-mêmes. Les jeunes qui nous aillent, il n'y a pas de temps pour nous parce que ce n'est pas facile pour les jeunes noirs de travailler. Si vous avez un PhD, certifié par collège, il y a aidé pour les gens travailler. Que pour nous, pour réellement que pour nous travailler et que pour nous avoir une bonne éducation. L'important pour les jeunes, et tant que moi, pour spécialement nous, pour une bonne éducation, pour être jeune en bon travail, puis devant pour aider les familles, pour être aider si mon va le faire avec les bagages.
Et vous pouvez parler nous un peu de ministre dans cette Thérèse Avila. Qui ça a fait dans cette Thérèse? Moi, je participe dans le groupe jeune dans cette Thérèse. Et les enfants bagaille, moi, make sure pour là, pour moi aider. Cette Thérèse, c'est un deuxième cahier pour moi. Depuis là, moi, je suis à Haïti, c'est pour moi l'église famille de notre vie. Et moi, ou aimer cette Thérèse en ville. Ou aimer cette Thérèse en ville. Qui soit capable de nous de faire des bonnes? Père Bono, c'est un bon pasteur. Lui, make sure tout va aller dans l'église là. Bien, lui, encourager. Lui, encourager jeune monde pour nous. Faire ça qui est bon. Il a encouragé nous pour nous participer à l'activité dans l'église. Et si vous avez des choses, vous avez des choses, vous avez des encourager nous à continuer à marcher. Qui veut que Fabiola, que nous réellement content pour te rencontrer où, pour entrevue ça, que bon, que nous c'est pour vous, et bonne chance, comme vous connaissez son jury, et qui, non seulement qui va attendre l'entrevue, qui a bien pour. Qui va bien pour les textes surtout, ouais, que vous voyez textes soit déjà, qui fait que réellement que bon. Comme moi, je dis vous que, à aussi au bout de l'autre. Bon, et à vous qui est parce que nous pensons que l'important, je ne vous dis pas que pour jeunes au travail, ensemble, la vie que pour mon mieux, on est que, qui travaille, et jeunes au travail. Que nous avons appelé pour téléspectateurs de l'initiative Radio Télésolidarité. Je veux dire que nous avons Fabiola Edmond avec nous, c'est une candidate. Et que pour nous échanger le contest dans un secteur offre Radio Télésolidarité, que nous avons parisienne dans la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila, que nous avons très très involved dans l'activité dans la paroisse Sainte-Thérèse. Et bien que nous avons dit que déjà que Fabiola Merry Christmas, Joyeux Noël, yes. Et vraiment c'est un plaisir pour te rencontrer. C'était pour nous, bon accord de la radio Télé Solidarité. Encore une fois, merci.